Salut à tous, c'est Clem. Et aujourd'hui, c'est le concert de Twice. Je suis trop contente. Il est actuellement 9h50 du matin et je suis réveillée. J'ai un peu dormi de manière cocasse. Hein. De toute façon, ma manière pour aller à mon appart, c'était cocasse. Car oui, j'ai maintenant un appartement étudiant. Ça fera l'objet d'une vidéo peut-être à part où je raconte. Oh putain, plus j'ai le hockey où je raconte ma vie. Et du coup, je pars à 14h30 dans un covoiturage avec des gens super cool. Mais j'ai cours au matin. Bon, même je loupe un petit CM l'après-midi, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai cours au matin, donc là, je vais aller en cours. J'ai 2 heures d'anglais, donc je vous avoue, je suis pas non plus des plus ravis, parce que l'anglais à la fac, peut-être ça va être bien, je sais pas, on verra. Écoutez, je vais vous emmener dans cette journée, dans ce périple pour aller voir Twice. J'espère que ça vous plaira et que si vous n'avez pas pu aller les voir en concert, ben ça vous emmènera un petit peu avec nous. Et que si vous avez pu aller voir Twice, ben ça vous rappellera des beaux souvenirs. Bref, c'est parti! Petit instant cuisine, n'est-ce pas? Je me fais des petits gnocchis à la carbo accompagnés d'une salade pour être un peu healthy. Je ne suis pas toute nue, hein, bien évidemment, j'ai juste mon pain. Il est 12h37, donc dans 2 heures, oh, trop trop hâte. Franchement, ça va être trop trop bien. Même si, comme je dis, j'ai de la peine de louper mon cours. En tout cas, l'anglais, c'était pas si mal pour un cours d'anglais de fac. Et j'espère que ça sera de mieux en mieux. En tout cas, on peut un peu practice notre anglais. Et c'est vrai que c'est ça surtout qui manque, en plus du vocabulaire scientifique. Mais le vocabulaire scientifique, c'est pas maintenant. Donc écoutez, je vais cuire mes lardons là, laissez-moi. Re les amigos, c'est toujours moi, je ne suis toujours pas nue. Je me suis make-up un petit peu comme vous pouvez le constater, c'est relativement léger mais j'ai surtout mis pas mal de paillettes qui je pense vont shine. Mais c'est vrai que j'ai pas fait un make-up très extravagant, de toute façon dans ma trousse de make-up j'ai pas non plus un milliard de choses et ça reste quand même dans le thème et tranquille et tout. J'ai pas voulu faire un gigaliner, c'est pas très Twice je trouve. Twice c'est un peu plus girly, chill et tout et bah c'est pas trop ça de faire un gros liner même si on aurait pu totalement. Donc là j'ai préparé toutes mes affaires, elles sont dans mon tote bag qui est un tote bag pool en fait parce que Slay. Et normalement Mélodie doit arriver dans 35 minutes, j'ai très hâte, je ne tiens plus en place, je ne sais pas quoi faire en attendant. Il me reste plus que les trucs de frais, genre mon eau, ma bouffe, bah c'est tout je crois, à prendre et on pourra partir. Donc ça j'attends la dernière minute bien évidemment. J'ai trop trop hâte, c'est pour ça que je vous ai pris en fait, parce que là, ça sert un peu à rien ce que je dis, mais juste, j'ai hâte, il fallait que je le dise à quelqu'un. En fait, je réalise pas vraiment que je vais voir un concert, parce que j'ai jamais vraiment été à un concert. Et d'autant plus Twice, je pense que ça va être vraiment trop fun. Enfin, les concerts de K-pop, c'est fun, je pense, et Twice, vu que j'adore, enfin voilà. Donc, écoutez, j'ai hâte. Help, we run up this city, yeah. Au final, je me suis déjà mis mon petit gilet ainsi que mon pantalon et je ne suis pas restée en short parce qu'il s'est mis à pleuvoir pendant genre 3 secondes et demie. Après ça s'est arrêté, mais le ciel est un peu gris. Donc bon, au pire c'est pas grave, hein, j'enlèverai ma veste et je remonterai mon pantalon. Mais comme ça je suis fin prête, il y a des travaux dans l'appart à côté de moi, je sais pas ce qui se passe, heureusement je suis pas là. Mais en tout cas, j'ai trop trop hâte, oh my god. Et là je slay un petit peu, genre vraiment très hello au final. Bah écoutez, je crois que je n'ai rien oublié, en tout cas j'espère, sinon je vais avoir envie de me tuer. Mais bon, c'est parti. Une qualité caméra incroyable. T'as vu, it's a Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever. Oui. C'est 18h30. Ouais, mais c'est pour ça. Après, moi, je m'assure. Est-ce que tu vas être dans le vlog ou pas? Ok, tu vas être dans le vlog ou pas? On est arrivé au parquin. Let's go le parquin. Et non, c'était de l'autre côté. La Core Arena. Coucou. Ah, c'est la folie là les fêtes. On est en double vlog, le vlogception. Ah non! Voilà, c'est incroyable! Ah, en vrai, enfin, c'est joli comme on peut le. À moitié quoi! En tout cas, ce qui va être. Ça va être le concert, les amis! OMG! OMG, qu'est-ce qui se passe? C'est le multivers! Le concert de Twice! Ouais! Ah, ça fait mieux! Ah merde! Ah, merde. Le gang est presque réuni. On pense à toi. On pense à toi. Là, on a volé des bannières, même si elle ne va pas au concert. On est là les deux. Et c'est dans ses droits au final. Et elle a donné une cassée de chai. Oui. Enfin, sa chai tigre n'est plus. C'est bon. En tout cas, est-ce qu'il y a encore des gens?
il y a une queue de zinzin. Salut Nara, on prend peut-être un passage. Salut. Hey, c'est le drame, on a dû jeter notre bouteille malgré un non-bouchon. J'ai soif. J'ai déjà soif alors que je viens de boire. C'est la fin d'haricots. Oh mon dieu, les places. Le Saint Graal. On est super bien placé. On est 4-1, rang 25. En porte D. Non mais regardez, putain, on va les voir en vrai. C'est juste une dinguerie, j'ai volé le live. Oh my god. Ah, on voit pas bien comme ça, mais ça fait une vague. Et sur la vague. J'ai soif et je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai soif aussi et je vais en cours demain. Moi tout va bien, je vais rentrer, je vais me coucher à 4h du mat et je vois, j'ai pas soif. Je prends le train à 8h30 demain. Je vais me lever à 7h. J'aurai même pas 5h de sommeil. Coucou les amis et coucou les ones et coucou twice. C'était une expérience de fou et je vais venir un petit peu débriefer, même si est-ce qu'on peut vraiment débriefer ça. Déjà, je ne sais pas ce que je vais réussir à mettre dans le vlog ou pas. Selon les copyrights, selon ce qui est filmable ou pas. J'ai pas tout filmé non plus, même pour moi, tu vois, parce que il fallait que je profite en vrai du moment. Et je sais qu'il y a plusieurs gens qui ont filmé, donc au pire, je récupérerai ces vidéos-là. Mais c'était juste incroyable. En plus, sur la vidéo, juste, on m'entend gueuler comme une truie. Donc je sais même pas si je vais pouvoir le mettre dans ce vlog-là, on verra. Du coup, je vais vous raconter un petit peu et je vais débriefer de ce super concert, même si je spoil, c'était super, mais je pense qu'on s'en doute. Avant toute chose, faites pas attention à cette teuté et à ces lunettes. Vu que je suis rentrée tard, j'ai eu genre même pas 4h30 de sommeil. Et je suis allée en cours ce matin, et là j'ai mangé, donc c'est normal, c'est peut-être. Bref, alors, petite expérience, comment c'était? Tout d'abord, avec les gens du covoit, n'est-ce pas? C'était super bien, on s'est bien amusé dans la voiture, on a mis les musiques de Twice pour se mettre dans l'ambiance, donc quand on est arrivé, on était dans l'ambiance. Et j'ai retrouvé Julia, donc Julia, coucou, qui est une pote de longue date de Discord, et Dura et Alice, qui sont des copines aussi. Et ensuite, on a vu Naran, donc coucou, qui est aussi notre amie de longue date. Et du coup, on a un peu chillé avant le concert. Et Julia m'avait pris quelque chose au merch que je lui ai bien sûr remboursé, qui était un t-shirt, bien évidemment. Je pense que c'était un moment assez iconique dans notre vie et qu'il fallait le marquer d'une pierre rouge. Ce n'est pas une pierre rouge, c'était un t-shirt. Donc c'était le Jenny. Bien évidemment, le blanc est coloré avec majoritairement du rose. J'aimais beaucoup tous les t-shirts en vrai. S'il n'y avait pas eu celui-là, j'aurais pris, je pense, juste celui avec Twice, avec un cœur. Et franchement, si j'avais été riche, je les aurais tous pris, mais 45 balles le t-shirt, c'est déjà un peu too much. Donc voilà, on a aussi unboxé l'album d'ITZY, parce qu'on avait demandé à Dura de l'acheter à Tayou, etc. Et du coup, on l'a unboxé. Et j'ai pull la PC que je voulais, qui est l'IA couverture. Je vous mettrai des photos ici de mes pulls. Et franchement, c'était juste trop cool, en fait, parce que je ne m'y attendais pas. J'ai jamais de chance dans les albums. Et donc là, j'ai eu de la chance pour une fois. Et j'avais pull Ryujin. Peut-être Ryujin Pansement, je crois. Et Ryujin, c'est la pièce de Julia et c'est sa PC préférée. Donc je lui ai échangé contre Yuna avec une couronne là, que je trouve aussi très mimi. J'adore Yuna dans tous les cas, donc moi ça me dérangeait pas du tout. Et voilà. Ensuite, je vous montre les pulls. Voilà, je suis très globalement très satisfaite, surtout que j'ai ma PC préférée. Donc voilà. Et l'album, il est trop cool. J'ai hâte de l'écouter en voiture parce que franchement, il slay en fait. Et le photobook, je regrette pas du tout d'avoir pris cette version. Elle est juste trop belle. Du coup, pour parler du concert de Twice en fait, parce qu'on est là pour ça. Un pur banger, franchement, les filles, elles ont fait le show pendant plus de 2h30, incroyable, je n'avais plus de voix bien sûr, par contre ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne pouvait pas rentrer avec nos bouteilles, alors nous on nous avait dit qu'on pouvait rentrer genre en ayant la bouteille débouchonnée, mais même pas, donc on a dû jeter notre eau,
Et le verre d'eau était à 3,50€. Donc, bien sûr que non, qu'on n'allait pas l'acheter. Donc, à la fin du concert, vraiment, on était déshydratés. Et je trouve ça super dangereux, en fait, comme moyen marketing. Parce que certes, ils veulent se faire de l'argent en vendant de l'eau. Mais en fait, il ne faut pas la vendre aussi cher. Parce que les gens comme nous, justement, on est des rats. On ne peut pas l'acheter si cher. Genre, ils l'auraient mis même 2€. En vrai, je pense que ça aurait pu passer encore, tu vois. Mais là, franchement, je pense que les gens ont dû faire des malaises. Et franchement, même nous, on était au bord du malaise, au bord du précipice. Donc, comment te dire que quand on est rentré à la voiture après de longues minutes d'attente, ma gorge a pris un nouvel élan de bonheur. Donc, hop, on a redéposé Julia. C'est fort triste que notre premier meet-up ce soit un petit peu court comme ça. Mais c'était pour voir Twice. Et donc, c'était juste incroyable. Ça va être un souvenir mémorable. Et en plus, bah, Julia est super en vrai, mais je m'en doutais. Et même tout le monde, genre Tura, Alice, Naran, ils sont tous géniaux en vrai. Et petit banger aussi, je suis passée dans, vous savez comment dire, les genres de random dance qui sont filmés dans le public, je suis passée, alors je voulais trop passer donc je suis contente, mais je suis passée sur Scientist alors que c'était genre ça et Yes or Yes, je maîtrise pas du tout la danse, genre vraiment, je savais juste The Minus. Donc comment te dire que c'était un peu bizarre, je sais pas si je vais pouvoir vous le mettre, si je peux, c'est maintenant, c'est avec les copyrights etc comme je vous dis, mais en tout cas c'est trop marrant, vous pouvez la retrouver sur TikTok si vous cherchez... la random dance de Twice en France. Je suis Scientist, voilà, c'est moi. Et je suis aussi passée sur le projet vidéo à la fin pour Twice. Je suis en bas à gauche d'un écran et je suis comme ça en mode... C'était un petit moment cringe. Un peu déçue que j'étais pas été en grand en fait. Non, franchement, c'est cool. En plus, on était sur la même page avec Julia, donc trop bien. Et je suis rentrée chez moi à 2h15, le temps que je fasse mes trucs et tout. Il était déjà plus de 2h30 du matin. Et du coup, ben, le sommeil était peu présent. Mais franchement, j'en garde un super souvenir. J'ai adoré cette soirée. Ça va me rester gravé en mémoire tout le temps. Elles chantent super bien. Elles font trop bien le show. On était trop bien placés. Ça, j'en ai pas parlé. Mais vraiment, notre place de fou, on savait que ça allait être bien, mais pas autant. On était un petit peu en... Et finalement, on était vraiment trop cool. On était un peu de côté, mais pas trop non plus. On était juste au-dessus de la fosse, en fait. Donc, on était le derrière de la fosse, mais en mieux, parce qu'on était surélevé, du coup, on voyait. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise place en soi dans l'Accor Arena, parce que même si vous êtes 4-2 ou 4-3, je ne sais plus, bah, vous payez moins cher, mais vous voyez quand même suffisamment bien. Et même si vous ne voyez pas Twice, en vrai, de vrai, vous voyez les écrans. Et en vrai, oui, c'est vrai qu'on aurait pu être plus proche de Twice, parce que là, en soi, bon, voilà. Mais c'était nickel, surtout pour le prix. Et je veux être délusionnelle et penser que, de loin, Dayeon m'a fait un cœur comme ça, et penser que Moumou m'a fait coucou. Je suis délusionnelle, ok, laissez-moi l'être. Donc non, franchement, j'ai trop hâte de mon prochain concert qui sera celui de Daespa. Malheureusement, je serai qu'en catégorie 2, donc c'est un peu triste, mais c'est une petite salle, donc je pense que je les verrai tout aussi bien que j'ai vu Twice, voire mieux. Et Aespa, c'est mes deuxièmes ult, donc je suis trop contente. Et en plus, ce sera pas un jour de cours, ce sera un samedi, donc slay. Stop, pause dans votre vidéo. Il faut absolument que je vous dise quelque chose, que j'ai oublié de vous dire. Encore, on voulait absolument arrêt et signal, parce qu'elles sont un peu iconiques. Même si toute la roulette était bien, c'était nos préférées. Et on les a eues. Je t'en revenais pas, à un moment j'ai cru qu'on allait avoir Titi et pas Réaré, bon j'aurais été contente, mais vas-y Titi, c'est vu et revu, surtout encore. Mais non. Du coup, vraiment, ce concert s'est passé comme on le voulait. Et franchement, si Twice fait un encore un jour à Paris, j'irai. Si elles font une deuxième tournée, j'irai. Enfin, dans la limite du possible, au niveau des dates et au niveau des prix. Parce que là, je vous avoue qu'en fait, les dates, c'était vraiment trop mal choisi de faire ça un lundi, genre faites ça un week-end, mes girls. Mais au moins, ça nous a évité des gens en plus et de la compétition en plus pour avoir les tickets. En tout cas, une super journée, une superbe expérience. Si vous avez l'occasion d'aller à un concert de K-pop, faites-le. C'est une ambiance absolument majestueuse. Twice, les reines du monde. Ça a confirmé que Momo, c'est Nabias et que Dayeon, c'est Marwaker. Et juste, toutes les filles étaient trop incroyables. Elles m'ont toutes convaincue. Donc voilà, pour celles et ceux qui étaient au concert de Twice, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre avis, où est-ce que vous étiez placés, etc. Pour ceux et celles qui n'y étaient pas, j'espère vous avoir pu un petit peu... transmettre l'émotion, même si je ne sais pas si j'ai mis des vidéos encore une fois, et je sais que rien ne remplacera de les voir en vrai, mais j'espère que vous allez pouvoir les voir en vrai. En tout cas, je pense qu'elles reviendront à Paris parce qu'on a mis le feu, donc elles reviendront en France, c'est quasiment sûr. En tout cas, moi je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bisous.